من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعاله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين mes frères et sœurs en islam Je vous salue avec cette salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème dans la société, un thème actuellement qui se passe dans notre société. Je dirais tout simplement une maladie. Mais sans ça, avant cela, je ne vais pas d'abord oublier de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, les vendredis, quand nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il signale le prophète Mohammed. Il dit au prophète Mohammed, regarde ton serviteur qui est en train de prier pour toi. Ça veut dire, il dit directement au prophète, regarde une personne qui est en train de prier sur toi. C'est comme toi et moi aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de commencer cette vidéo, je vais tout simplement demander à toutes les personnes qui me suivent actuellement de partager cette vidéo avec vos amis, car nous allons parler d'une maladie, qui est dans notre société actuellement, une maladie qui est l'hypocrisie. Subhanallah. Mes frères et sœurs, nous allons parler de l'hypocrisie aujourd'hui. L'hypocrisie, la jalousie, la diffamation, Inch'Allah. Mais avant ça, aujourd'hui, nous sommes le vendredi, comme j'ai mentionné. Le vendredi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans sa parole. Il dit, une personne qui prie sur moi le vendredi,
Moi, le prophète Mohammed, je vois la prière de la personne. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala me dit que la personne prie sur moi. Ensemble, nous allons tout simplement écrire Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Soit sallallahu alayhi wa sallam. Je vais beaucoup parler le nom du prophète Mohammed dans ce direct-là pour permettre à nos frères et sœurs de pouvoir acquérir des mérites de ce vendredi en priant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons aussi avoir notre invité, donc notre maman Adja Fanta Traoré, qui va participer avec nous, Inch'Allah, dans ce direct-là aussi. Mais avant cela, nous allons tout simplement définir d'abord le thème, notre thème. Nous avons mentionné que le thème va se porter sur quoi? Sur l'hypocrisie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui peut lever le doigt qu'il n'a jamais été la cause de l'hypocrisie de quelqu'un? Il n'y en a pas. Il y a peu de personnes qui peuvent simplement lever le doigt pour dire que je n'ai pas été atteindre par un hypocrite. Ou bien, je n'ai pas été causé, c'est-à-dire, un hypocrite ne m'a pas causé un problème. Il y a peut-être peu de personnes, je dirais bien, qui peuvent vraiment dire aujourd'hui que je n'ai jamais été la cause d'un, comment dirais-je, d'une personne qui est hypocrite. Wallahi, il n'y a personne. Personne ne peut dire cela. Mais mes frères et sœurs en islam, si nous parlons de l'hypocrisie, est-ce que vous savez l'hypocrisie est quel genre de maladie dans notre société? Parce que je dis bien, une personne qui est un hypocrite, la personne est malade. La personne a quatre maladies différentes. La personne a quatre maladies différentes. Première maladie de la personne, vous savez c'est quoi? Une personne qui a le comportement d'un hypocrite dans ses actes, la maladie d'une personne, c'est quoi? La maladie de cette personne, c'est quoi? C'est que la personne est jalouse. Ça, c'est le 1. Et la jalousie, on n'a pas encore trouvé de remède pour la jalousie. Une personne qui est jalouse, on n'a pas encore trouvé de remède pour cette personne. Donc, imaginez une personne qui est hypocrite. Allahu Akbar, une personne a la maladie de la jalousie. Ça, c'est le 1. La deuxième des choses, la deuxième des maladies que la personne peut avoir après la jalousie, c'est que la personne devient automatiquement méchant. La personne est méchant. Une personne qui est hypocrite, la personne est méchant. Allahu Akbar. Ça, c'est la deuxième maladie. Imaginez la maladie de jalousie et la maladie de la méchanceté qui se sont réunies à une seule personne. Une personne hypocrite. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire dans ce bas monde? Qu'est-ce que toi, tu vas faire dans ce bas monde? Si ce n'est pas de créer la zizanie, si ce n'est pas de créer des mauvaises choses entre des gens. Troisième maladie que l'hypocrisie peut engendrer à une personne, que l'hypocrisie peut donner à une personne, c'est la maladie des diffamations. Une personne qui se promène parmi les gens, il met toi en palabre avec ton prochain, il met toi en palabre avec ton prochain. Vous êtes en harmonie, il vient, il bafoue votre harmonie. Deux personnes sont ensemble, deux couples sont ensemble, la femme et son mari vivent ensemble en harmonie. Lui, il vient créer quelque chose. La diffamation. Ce que tu as fait, il va dire. Ce que tu n'as pas fait, il va mentionner. Ce que tu as commis, il va faire. Et il va dire. Ce que tu n'as pas commis, il va faire. Donc ici, nous voyons l'hypocrisie. Ça, c'est la troisième maladie. Quatrième maladie que l'hypocrisie peut engendrer à une personne. Mes frères et sœurs en islam, l'hypocrisie rend une personne qui veut être en concurrence avec tout le monde. La personne, il veut être en concurrence avec tout le monde. Voici les quatre maladies d'une personne qui est hypocrite. Je vous pose la question, mes frères et sœurs en islam. Wallahi, entre vous et moi, une personne qui a ce genre de maladie-là, est-ce que la personne peut sauver le monde? Est-ce que la personne peut vraiment nous sauver dans ce bas monde? Est-ce que la personne peut vraiment être ton ami? Est-ce que la personne peut vraiment être mon ami? Non. Parce que avec ces maladies-là, on ne peut pas trouver des remèdes. Allahu Akbar, subhanallah. Wallahi, l'hypocrisie. Mais le monde aujourd'hui, notre monde aujourd'hui est rempli des hypocrites. Wallah, notre monde aujourd'hui est rempli des hypocrites. Notre monde aujourd'hui. Combien de personnes sont couchées actuellement dans la tombe à cause des hypocrites, à cause des mensonges des hypocrites?
Combien de personnes ont perdu leur boulot aujourd'hui à cause des mensonges des hypocrites? Combien de personnes ont perdu l'amour qui était entre lui et sa femme à cause des hypocrites? Il y a tellement, tellement de personnes qui ont perdu les choses à cause des hypocrites. Subhanallah. L'hypocrite, il est méchant à l'intérieur. C'est quoi même un hypocrite chez toi? Mes frères et sœurs, quand on te demande c'est quoi un hypocrite, c'est quoi au fait? L'hypocrisie, c'est quoi? Selon toi, tu peux définir l'hypocrisie comment? Avant de parler du prophète Mohammed, avant de dire ce que le prophète Mohammed a dit sur l'hypocrisie, je vais tout simplement vous poser à vous cette question. Quand vous attendez l'hypocrite, un hypocrite, selon vous, l'hypocrisie, vous allez définir l'hypocrite comment? Je vous pose cette question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné trois choses. Il dit ces trois choses-là, si tu vois ces trois choses-là à un être humain, faut jamais penser autrement, c'est un hypocrite. Si tu vois ces trois choses-là regroupées à un être humain, il faut savoir automatiquement que lui-même, c'est un hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, Allah, éloigne-nous des hypocrites. Allah, éloigne-nous des hypocrites. Mais entre nous, qui est hypocrite maintenant? Comment nous pouvons connaître un hypocrite? Puisque tout le monde dit, Allah, éloigne-nous des hypocrites. Tout le monde poste sur les réseaux sociaux, Allah, éloigne-nous des hypocrites. Mais parmi nous maintenant, qui est hypocrite? Qui est hypocrite parmi nous? Alors pour connaître un hypocrite, nous allons tout simplement aller dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui notre repère. Quand nous nous perdons quelque part, nous partons automatiquement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul qui peut nous montrer qui est hypocrite. C'est lui seul qui peut nous dire qui est hypocrite dans la société. Alors dans le hadith du prophète Mohammed, il nous dit « Ayatu munafiqu salas ». Il dit, il y a trois signes pour reconnaître un hypocrite, il y a trois signes. Si tu vois ces trois signes-là à une personne, alors comprends automatiquement que la personne est un hypocrite. Il dit, quand il parle, il ment. Un hypocrite, quand il parle, il ment. Alors une personne qui est dans ton entourage, une personne que tu sais que la personne ment beaucoup, à chaque fois que la personne dit quelque chose, on dit que c'est la personne qui a dit. Il dit non, que ce n'est pas lui qui a dit. Il dit que ce n'est pas lui. Il soulève la main, il dit que ce n'est pas lui. Il jure sur tout le monde. Je jure sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure sur la tête de ma mère. Je jure sur la tête de mon fils. Je jure sur mon mariage. Je jure sur tant. Mais la personne, c'est un hypocrite parce que c'est un menteur. Même Allah même a dit dans le Coran, il dit au prophète Mohammed, « Wa la tuti'a kulla halafin mahin » Il dit, Wallahi, prophète Mohammed, ne suis pas toutes les personnes qui jouent beaucoup. C'est un hypocrite. Alors regarde maintenant autour de toi. Il faut faire attention autour de toi. Toi-même, regarde simplement autour de toi. Et tu regardes autour de toi, tu vas voir des personnes qui mentent beaucoup. Des personnes qui sont là, simplement, ils sont en train de mentir. Alors là, cette personne-là, c'est un hypocrite. Il ne faut même pas douter. C'est le prophète qui a dit, Wama yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Le prophète ne parle pas dans le vide. Il ne dit pas des choses comme ça, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous allons comprendre directement que le prophète Mohammed nous a dit, il y a une personne qui ment beaucoup. Tu as une camarade qui ment beaucoup. Tu as un ami qui ment beaucoup. Laisse la personne, wallahi, c'est un hypocrite. Parce que s'il a pu mentir aujourd'hui, demain, il va mentir sur toi. C'est eux qui transforment les messages des gens. Il transforme les messages qui se passent dans la société entre des personnes. Il met ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Il transforme cela. Il transforme cela. Il va quelque part, il a entendu quelque chose. Il va venir transformer en lui-même sa manière pour dire ça aux gens. Or pourtant, ça n'a pas été comme ça. C'est ce qu'on appelle un hypocrite, un menteur, celui qui ment beaucoup. Ça c'est de un. Le prophète dit c'est un signe de l'hypocrisie. Deuxième signe de l'hypocrisie, le prophète Mohammed dit, après, un hypocrite, quand vous prenez la décision de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Il va te trahir en ça. Wallahi, c'est un hypocrite.
Quand il prend une décision de faire quelque chose, quand il te promet quelque chose, il ne va jamais respecter ses promesses. Il ne va jamais respecter ses promesses. Il ne va jamais accepter ses promesses. Il ne va jamais respecter ses dits. Donc une personne qui ment beaucoup et une personne qui ne respecte pas ses dits, il faut savoir que la personne, c'est un hypocrite. Ça, je te confirme aujourd'hui. C'est le prophète Mohammed qui a mentionné cela. Ce n'est pas moi, j'ai dit. Ce n'est pas moi qui parle avec vous. Je parle avec les hadiths du prophète. Quand il te donne des promesses, il ne réalise jamais. C'est un hypocrite. Ça, c'est le deuxième signe. Il dit troisième signe de l'hypocrisie. Il dit, Wallahi, si tu fais confiance à un hypocrite, il va te trahir. Si tu fais confiance à un hypocrite, il va te trahir. Dans la société, vous pensez pourquoi qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, ça ne marche pas. Mais parce qu'il y a un hypocrite parmi nous. Parce qu'il y a un hypocrite parmi nous. C'est pour cette raison. Quand les musulmans sont toujours derrière aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a tellement de l'hypocrisie dans notre communauté musulmane. C'est pourquoi nous sommes toujours derrière. Mais regardez les chrétiens qui sont en train d'avancer. Regardez le monde de la christianisme qui est en train d'avancer aujourd'hui. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est parce qu'ils sont solides. C'est parce qu'ils sont solidaires. C'est parce qu'ils ont le cœur blanc. Mais pourquoi la religion islamique est toujours derrière? Pourquoi tout le monde est en train de combattre les musulmans aujourd'hui? Parce que parmi nous-mêmes, il y a des personnes qui sortent avec nos secrets. Parmi nous, il y a des personnes qui sortent avec nos secrets. C'est pourquoi nous sommes toujours derrière. C'est pourquoi nous, les musulmans, on ne peut pas avancer. Là, on ne peut pas avancer. Dans la même famille, il y a de l'hypocrisie. Subhanallah. Les enfants d'une même mère et d'un même père, il y a de l'hypocrisie entre eux. Ils ne peuvent pas avancer. Subhanallah. Il y a de l'hypocrisie entre eux. Mais pourquoi? Comment nous pouvons avancer cela? Comment nous pouvons avancer étant avec ce comportement? L'hypocrisie est une maladie que nous devons soigner dans notre société. Wallahi, c'est une maladie que nous devons soigner dans notre société. Allahu Akbar. L'hypocrisie est vraiment une maladie que nous devons soigner dans notre société. Il faut que nous soignions l'hypocrisie dans notre société. Sinon, nous allons toujours rester derrière. Mes frères et sœurs en islam, pourquoi nous devons faire attention à un hypocrite? Là, nous revenons maintenant dans le but. Pourquoi nous, si nous connaissons déjà c'est qui l'hypocrite, c'est qui un hypocrite? Parce que le prophète nous a déjà mentionné. Nous, on prend du repère vers le prophète. Notre mère, Adja Fanta Traoré, je n'arrive pas à te voir ici. Donc, si tu peux être en ligne, si tu peux essayer de te connecter, parce que je n'arrive pas à te voir ici. Donc, mes frères et sœurs en islam, comme j'ai mentionné, nous allons être, Inch'Allah, en direct avec notre mère, Adja Fanta Traoré. Elle va aussi donner, Inch'Allah, son avis concernant l'hypocrisie et concernant la jalousie et tout. Mes frères et sœurs en islam, nous avons déjà compris c'est quoi l'hypocrisie. Maintenant, nous revenons tout simplement ici. L'hypocrisie dans notre société. Mes frères et sœurs en islam, Wallahi, Wallahi, si il n'y avait pas l'hypocrisie dans notre société, on allait être devant. Si l'hypocrisie n'était pas dans la famille allait vraiment avancer. Si l'hypocrisie vraiment n'était pas parmi nous, on allait vraiment être des meilleurs dans la société. Mais c'est parce qu'il y a tellement de l'hypocrisie parmi nous, il y a tellement de personnes hypocrites parmi nous que nous ne pouvons pas avancer, que nos activités ne peuvent pas avancer. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à vous les musulmans, aux personnes qui m'écoutent actuellement, il y a beaucoup de vos rêves qui sont actuellement bloqués en chemin. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est rien d'autre. Le fait que vous avez parlé de ces projets, le fait que vous avez parlé de ces rêves-là aux personnes. Quand tu parles de tes rêves aux gens, toi-même tu ne sais pas parmi ces personnes-là qui est ton ennemi. Le prophète t'a déjà mentionné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il t'a dit quoi? Il t'a simplement dit, cherche ce que tu veux en cachette. Mais si toi, tu dis tout ce que tu veux faire,
tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu dois faire, toutes les personnes doivent connaître cela. Oh, pourtant, tu ne sais pas qui est hypocrite. Oh, pourtant, tu ne sais pas qui est bien, qui n'est pas bien. Oh, pourtant, tu ne sais pas qui est vraiment quelqu'un qui peut être bien avec toi ou quelqu'un qui ne peut pas être bien avec toi. Qui veut ton bonheur et qui ne veut pas ton bonheur? Adia Fanta Traoré, essaie de ressortir dans le direct et tu rentres encore. Essaie de ressortir dans le direct et tu rentres encore. Soit si tu me vois, tu peux essayer de m'envoyer invitation. Donc, mes frères et sœurs en islam, ne parlez pas de vos projets par-ci, par-là. Imaginez aujourd'hui, nous avons nos mamans, nous avons nos sœurs qui sont très bien dans leur foyer, qui vivent bien. Il y a de l'harmonie dans les foyers avec son mari. Mais tout ce qui se passe entre elle et son mari, tout le monde, toutes ses camarades sont au courant de ça. Allahu Akbar. Mais toi, tu ne sais pas parmi tes camarades qui est hypocrite. Tu ne sais pas parmi tes camarades qui n'aime pas. Toi, tu vois avec ton mari. Tu ne sais pas, tu n'as pas l'idée. Mais tout ce qui se passe entre ton mari et toi, tes amis sont au courant. Tes camarades sont au courant. Elles sont informées de tout. Mais il y a forcément quelqu'un qui va essayer de gâcher cela. Parce que tu n'as pas respecté la parole du prophète. Parce que tu n'as pas respecté ce que le prophète Mohammed a dit. Non, il y a chercher à gâcher cela. Il y a forcément quelqu'un qui va chercher à te déstabiliser, à déstabiliser vos couples, à déstabiliser toi et ton mari automatiquement. Donc, gardez vos secrets pour vous-même. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, il faut garder cela pour toi-même. Mes frères et sœurs en islam, c'est très important. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, nous sommes avec notre invité, Adia Fanta Traoré. Inch'Allah, le direct va se passer entre moi et elle, Inch'Allah. Essaye de soulever un peu la caméra. C'est trop en bas. Voilà, c'est bon. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Adia Fanta Traoré, vous allez vous présenter aux personnes qui nous regardent actuellement, Inch'Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, nous avons notre invité aujourd'hui, Adia Fanta Traoré. Nous allons sans plus tarder, nous allons tout simplement poser quelques questions à notre maître, Adia Fanta Traoré. Alhamdulillah, notre jolie princesse. Hein? Masha'Allah. Regardez comment elle est belle, Masha'Allah. La jolie princesse de Cheikh Ali, hein? N'est-ce pas? C'est de Cheikh Ali, n'est-ce pas? Masha'Allah, Masha'Allah. Que Dieu te protège, Inch'Allah. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu renforce, Inch'Allah, notre lien, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons sur l'hypocrisie, la jalousie, la diffamation et tout. Donc, nous voulons tout simplement d'abord, la première question que nous allons poser. Adia Fanta Traoré, quel conseil vous avez aujourd'hui pour donner à nos frères et sœurs qui sont actuellement en train de faire ce genre de travail? La diffamation, le fait de diffamer ton prochain, le fait d'être jaloux de ton prochain. Quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à ces personnes? Je remercie le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour. Le conseil que moi j'ai à donner à mes frères et sœurs en islam, l'hypocrisie, c'est de la mauvaise foi de toute façon. Ce n'est pas un bon travail. Tu ne gagnes rien de mérite. Il faut être jaloux de ton prochain. Tu peux mélanger en bambara, en français, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Il disait, tu peux être jaloux de ton prochain, il évolue, tu le copies. Ça, c'est normal. Parce que si tu vois ton ami, il est en train de voler, ce n'est pas de la méchanceté. Mais quand il est à la commune, c'est bagné, il ne faut pas être contre de son destin. Quoi. Mm-hmm. L'hypocrisie, il y a une kéguali, de son conantial. Tu as vu? Il ne faut pas être contre la tête. Il ne faut pas être contre la tête. Parce que peut-être le soleil l'a brillé pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain peut être ton tour.
Mais l'hypocrisie, moi je peux dire, tu n'as pas la crainte dans le cœur. Parce que on est, même les cinq doigts ne sont pas égaux. Tu veux dire qu'on ne peut pas avoir tout en même temps. Exactement. Dieu a créé le monde, il y a les commerçants, il y a les menuisiers, il y a les lettrés, il y a les illettrés. Exactement. Dunia sinon, les mots quoi. Exactement. Il faut que les gens comprennent ça. On ne peut pas être égaux. C'est impossible. Exactement. Faut doyer le copier. Il faut qu'on accepte ça. Exactement. Mais il y a des gens qui sont là, 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 quoi. Exactement. On ne les paye pas, tu ne gagnes rien. Tu pries, tu viens encore, tu pries. Au contraire, même, tu perds ton temps. Tu perds ton temps même à t'occuper des autres. Au contraire. Voilà. Donc, en conclusion, la personne, ils doivent quand même comprendre que c'est Dieu même qui a fait cela. Voilà, c'est Dieu qui a mis, parce que Dieu même nous dit dans le Coran, voilà, je ne coupe pas ta parole, Dieu même nous a mentionné dans le Coran, il dit « Ahum yaqsimuna rahmatu rabbik, nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawka ba'din darajat, liyattakhiza ba'duhum ba'dun sukhriya. » Il dit, c'est nous avons partagé le bien entre vous. Celui qui a quelque chose aujourd'hui, c'est nous-mêmes, on a décidé cela. Donc, les biens ont été déjà partagés. Donc, tu ne dois pas être jaloux de ton prochain. Tu ne dois pas être vraiment en mesure de diffamer ton quelqu'un parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cela à ton prochain. Mais tu dois quand même l'aimer. C'est l'amour qui prend la place au niveau de ça. Voilà. Donc, nous écoutons. Vraiment, nous avons très, très, très bien compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche, inshallah. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter toujours sur la première question? La première question, moi, je pense, c'est tout ce que c'est. Je peux dire, c'est ça, c'est la mauvaise foi. Exactement. C'est la mauvaise foi. Il faut que les gens arrêtent, il faut que les gens changent. Il faut que tu sois mature dans la tête. Exactement. Tu as ton projet, même si tu n'as pas le moyen, mais tu as quelque chose dans la tête. Exactement. Parce que Dieu ne peut pas te donner en même temps, mais tu as quelque chose dans la tête, comme ton propre projet. Exactement. Tu as vu, non? Qu'on oublie de contrôler la vue de tout un chacun. Ce que Allah ne t'a pas donné, ne force pas la situation. Exactement. Si ton prochain a, il faut le copier. Peut-être un jour, toi aussi, Ton jour va arriver, exactement, ton jour va arriver. Ce n'est pas la peine de lui envier ou quoi, c'est pas bien, au fait. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, notre mère, Adja Fanta, mais ici, on voit aussi, donc vous avez quand même donné des conseils donc, à ces personnes-là d'arrêter ça, mais automatiquement, on voit aussi, il y a des personnes qui sont victimes de ça. Des personnes vraiment qui ont subi cela, donc des gens qui ont menti sur eux, ils sont comme ça, des prostituées, ou bien ils sont vraiment des personnes, c'est-à-dire des mensonges donc, à travers le monde entier sur une personne. Donc des personnes qui sont victimes de ça, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là face à la situation? La diffamation, le monde, on a fini avec ça au stage. Moi, j'ai dit, la diffamation, ça ne colle pas sur quelqu'un. À l'intérieur, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Exactement. Si tu accuses une personne, tu sais que tu vas mourir. Dis-le au Rasouli, imayaka. Tu accuses la personne. Le jour de la résurrection, Dieu est grand. Dieu va juger entre toi et la personne. Exactement. Parce que accuser une personne, salir la vie d'une personne, humilier une personne, mentir. Tu n'as pas peur de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire quelque chose que tu as vu sur tes propres yeux. Mais ce que tu n'as pas vu, mentir, fabriquer le mensonge, raconter, mais les gens ont le temps, franchement. Les gens ont vraiment le temps. Vraiment. Les gens ont le temps. Parce que si tu es occupé, tu n'as pas le temps de salir quelqu'un. Exactement. Si au fait, qu'Allah augmente la crainte dans le cœur. Amin, c'est tout. Amin, il y a silence, Alanye, d'avoir peur de l'Esprit Notre qui t'a créé. Tu penses le jour de la résurrection, tout ce que tu fais à ton prochain, Allah dit, tu peux, Allah dit, il dit, c'est quoi, Bela, là, quoi, dit, mais si tu accuses ton prochain, il y a raqueta, Allah ne va pas te pardonner. Exactement. Parce que c'est très grave, mentir sur une personne, salir une personne, raconter des choses sur une personne. Vraiment, je ne sais pas ça, c'est quelle mentalité. Même moi, je ne comprends pas. Allah, c'est plus fort que moi. Tout le monde est victime.
Tout le monde est victime de cela. Wallah, il y a personne tellement ne fait ce pas. Dans tout le monde est victime. Nous sommes dans un, nous sommes dans un monde méchant, égoïste, malhonnête. Tu as vu les gens qui ont plusieurs langues, qui ont double personnalité. Wallah, vraiment, vraiment. Et chaque fois, c'est eux qui se dire à les victimiser comme c'est eux qui sont victimes. Alors exactement. Que quand tu regardes leur voix, leur comportement, souvent là, tu as peur. Il ne faut pas avoir peur de ton prochain. Il faut avoir peur de Allah qui t'a créé. Si je dois te demander, fais savoir là, qu'Allah s'en a qui me donne à cause d'Allah. Mais je ne viens pas pour salir quelqu'un pour que tu me donnes. Là, ça c'est impossible. Okay. Ça c'est impossible. Je peux te dire, donne-moi un crédit, donne-moi à cause d'Allah. Mais me rabaisser, parler de quelqu'un, il faut venir raconter, donner des informations qui ne sont même pas réelles. Et vraiment, vraiment. Allah nous épargne de toutes ces personnes, Inch'Allah. Amen, amen. Vous voyez, il y a tellement de personnes qui leur vie aujourd'hui est gâchée à cause de ça. Il y a d'autres même qui n'ont plus le moral encore. Ils ne peuvent même pas se lever la tête, comment dirais-je, parmi les gens parce qu'il y a vraiment une mensonge qui a été créée en son nom. Donc, il est là comme ça, il est vraiment, lui-même, il est gêné dans la société. Regarde, par exemple, le cas de notre mère Aïcha. Le cas de notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed. Mais Aïcha est la femme du prophète Mohammed. Mais qu'est-ce que les musulmans? Ça veut dire que c'est les musulmans même qui ont menti sur Aïcha. Les musulmans. Ça veut dire que ceux qui disent que nous sommes les compagnons du prophète Mohammed, c'est eux-mêmes qui ont menti sur le prophète et sur la femme, sur notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Aïcha? Ils ont menti que Aïcha a fait l'adultère, a commis l'adultère. La femme du prophète Mohammed. Donc c'est la même chose qui est là aujourd'hui. Quand nous voyons une fille automatiquement, peut-être qu'il y a un mèche dont nous disons directement que cette fille-là est une prostituée. Ou bien cette fille-là, elle est comme ça. À cause de son apparence. Mais Allah, il regarde simplement le cœur. Allah, c'est le cœur que Allah regarde. Allah ne regarde pas l'apparence d'une personne. Allah dit, « Inna Allah ala yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Allah ne regarde pas ce que vous portez. Allah ne regarde pas ce que vous êtes en train de... Allah regarde simplement le cœur d'une personne. Mais Aïcha a été diffamée dans la société. Même son mari, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait commencé à douter de sa femme à lui-même. Lui-même, sa femme, il avait commencé à douter. Son père, Abu Bakr, lui-même, il avait commencé à douter de sa fille aussi. Vous voyez, les musulmans, c'est Ibn Ali. Maintenant, Ali, qui était le cousin, le petit frère du prophète Mohammed, lui-même, il a été en conflit avec Aïcha pendant des années. Parce que lui, il a dit au prophète de marier une autre femme et de laisser Aïcha. C'est Ibn Ali. Mais à cause de quoi? À cause des mensonges. À cause de quoi? À cause de la diffamation. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Donc, c'est vraiment une chose que nous devons vraiment arrêter. C'est vraiment une chose que nous devons... Si Allah même n'avait pas fait... n'avait pas révélé au prophète Mohammed des versets coraniques pour sauver notre mère Aïcha. Qui allait sauver Aïcha? Madame Traoré, qui allait sauver Aïcha? Oui. Qui allait sauver Aïcha? Seulement Dieu le Tout-Puissant. Ouais. Donc vraiment, il faut que nous arrêtons cela et que nous essayons vraiment de vivre ensemble en harmonie et de vivre ensemble dans la paix et arrêtons de mentir sur quelqu'un. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas. Donc, ils ont failli... Moi, je dirais que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas toujours accuser les gens. Exactement. Si tu n'as pas confiance en toi, une personne doit avoir son caractère. Tu dois te porter confiance, quelle qu'en soit la façon dont tu es. Mais il faut toujours avoir confiance parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Exactement. Il faut avoir confiance en toi. En toi, oui. Si tu traites quelqu'un de voleur, parce que toi aussi, tu es un ancien voleur, si tu traites quelqu'un de prostituée, tu as été une ancienne prostituée. C'est comme ça la vie. Exactement. Tu dois connaître le réseau avant d'accuser quelqu'un. Exactement. Parce que tu ne te portes pas confiance. Toi, tu ne te portes pas confiance en soi. Tu ne peux pas confiance à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Exactement. Tu as confiance à Ira les camps. Il faut avoir confiance en soi. En soi-même. Exactement. Ni malègre là, ni malègre là. Il te la ramoura. Il faut ça, te voir. Tout le monde est victime de l'accusation. Les gens, il ne faut pas qu'ils regardent ça. Si on verse, c'est déjà versé. Toi, il faut avancer. Les gens qui accusent les gens, il faut toujours regarder. Ils sont toujours en arrière. Ils n'avancent pas. Exactement. Parce que nous, on ne comprend pas. À qui avancer là, ils sont toujours en arrière.
Ils sont habitués de commérage, mélanger les gens, raconter n'importe quoi. Comment Dieu va t'aider? Tu dis maintenant, quand tu as prié Dieu pendant combien d'années, Dieu ne te donne pas. Alors que ton, tu n'as pas la bonne foi. Comment tes prières vont exister? Exactement. C'est que les gens doivent comprendre. Mm-hmm. Tu n'es pas sincère envers Dieu qui t'a créé. Exactement, oui. Tu n'es pas sincère. Mm-hmm. Tu dis maintenant, moi j'ai prié Dieu, moi j'ai comme ça. C'est les gens qui n'ont, qui n'est, qui c'est les gens qui sont, c'est des satans quoi. Mm-hmm. Leur prière d'Allah, leur prière n'existe pas. Ils vont aller voir maintenant les marabouts. Mm-hmm. Tu as vu? Toujours, allez boire le slagou, le tilangma, le tunkan quoi. Tu vois, slagou quand. Tu vois, slagou. Exactement, oui, oui. Ah ah, c'est. Parce que tant que tu te bats là, tu as la conscience tranquille, tu as ton projet, ça marche, les gens vont toujours parler de toi. On ne peut pas éviter ça. Les gens vont toujours se mettre derrière toi pour te chercher, pour raconter des choses sur toi, mais ne regarde pas en arrière. C'est des personnes qui vont mourir comme ça. Voilà. Inch'Allah. Tu m'entends? Je Je n'entends pas. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Vous nous entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Allô? Oui. Voilà. Est-ce qu'ils nous attendent? Est-ce qu'ils nous attendent? C'est ça le plus important. Est-ce qu'eux, ils nous attendent? Oui. Oui. Quelqu'un, il y a des gens qui écrivent oui. Oui. OK. C'est moi mon son ou bien c'est le son de Adja Fanta? Est-ce que c'est moi? Vous m'entendez très bien, vous attendez Adja aussi, n'est-ce pas? Vous m'entendez très bien, vous attendez Adja aussi. C'était ton son, c'était pas pour moi. D'accord, OK. Donc, notre troisième question, voilà, donc ça va être tout simplement. Il y en a qui disent que le son est parti, il y a d'autres qui disent que le son est là, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon, on peut continuer? Allô, oui. Allô, oui, je m'entends. Toi, tu m'entends bien? Toi, tu m'entends très bien? Oui. Oui, oui, bien sûr. OK, c'est bon, alhamdoulilah. Peut-être c'est chez moi ici, parce que moi-même, je ne m'entends pas, mais c'est bon. Donc, alhamdoulilah. Donc, la troisième question que nous allons poser, donc, c'est tout simplement savoir ici, au niveau, par exemple, de l'hypocrisie, parce que notre débat, c'est toujours sur l'hypocrisie. Voilà. Il y a des personnes aussi, dans la société qui veulent ressembler à une personne, ça veut dire, et ils croient qu'ils sont en concurrence avec quelqu'un. Ça veut dire, ils pensent qu'ils sont en concurrence avec quelqu'un, donc ils se mettent en concurrence avec quelqu'un. Voilà, donc, quel conseil peux-tu donner à ces personnes-là, au fait? On ne fait pas course avec quelqu'un sur cette terre. On ne peut pas faire course avec personne. Mmh. Parce que tu ne peux pas faire course avec quelqu'un. Allah destin ma kekilendi. Ce que Dieu a écrit pour moi, et ce que Dieu a écrit pour moi, ce n'est pas la même chose. Abe Milantea le dit. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est des envies, ça. C'est des envies.
C'est moi, je n'entends pas très bien Adjafanta. Moi, je t'entends bien. Toi, tu m'entends bien? Tu m'entends. Oui, moi, je t'entends très bien. Les gens aussi nous entendent bien. Bon, moi, je ne t'entends pas quand même, mais tu peux parler. Il n'y a, a pas de souci. Tu peux parler. Tu dois non, tu dois m'entendre. Je m'entends. Je m'entends. Oui. Tu m'entends? Non, parle, parle. Si les gens attendent, c'est le plus important. Si les gens attendent, c'est le plus important. J'ai dit, c'est les enviés. C'est les enviés. Tu as vu? Tu n'as quelque chose que Dieu ne t'a pas destiné. C'est impossible. Il faut croire en Allah. Il faut attendre pour toi. Ton tour va venir. Fuyez l'Imania. Fuyez l'Imania. Il est comme une soeur, mais tu es au Sorana. Anna Soron, tu sais qu'elle l'indique. Ça ne peut pas être la même chose. Mm-hmm. Ce que Dieu a écrit pour moi là, avant que je n'arrive même au monde. Oui. Non, impossible. Je ne peux pas. Faut me le limanier. Allez limanier. Allez là, allez la masséale. Allez le content, allez camine d'alma. Allez le content. Et donc, à se contenter de ce que Dieu les a donné. Ce que Dieu t'a donné, moi, je ne peux pas avoir ça. Quel qu'en soit, je sois jalouse de toi, je ne peux pas. Exactement. Parce que Dieu a déjà écrit ça. Pour moi, les limania. Allez là. C'est ça. Alhamdulillah. Donc ici, on comprend très bien qu'on ne doit pas forcément se ressembler à quelqu'un. Voilà, donc on ne doit pas forcément chercher à être comme quelqu'un parce que chacun a sa chance dans la société. Voilà, donc tu ne peux pas voir une personne et tu veux ressembler à la personne directement. En fait, c'est la seule chose qui te met en retard. Une personne qui veut vraiment être en avant, parce que c'est ce qui te met aussi à parler de la personne par-ci, par-là. C'est ce qui t'amène à dire des choses sur la personne. Parce que si toi, tu vois une personne, ta camarade, tu veux forcément être comme elle. Mais tu vas raconter des choses sur elle. Tu vas raconter des choses sur elle, des mensonges sur elle. Elle est comme ça parce que toi, tu veux la dépasser. Tu veux la dépasser. Grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ta camarade, toi, tu veux dépasser cela. Donc, le fait que toi, tu veux dépasser cela, donc automatiquement, tu vas commencer à gâcher son nom. Donc, quand tu commences à gâcher son nom, donc directement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir maintenant être au-dessus, et comment dirais-je, devant elle ou devant lui. Combien de camarades aujourd'hui qui étaient vraiment en amitié, aujourd'hui, leur amitié n'existe plus. Et c'est à cause de ça. C'est tout simplement à cause de ça. Parce que je vais chez mon ami, je vais ressembler à mon ami. Il a ça dans sa maison, il faut que moi aussi j'ai ça dans ma maison. Donc tout ce qu'elle a dans sa maison, je vais dire ça à tout le monde. Il a ça dans sa maison. Donc, automatiquement, ça m'amène, moi, à être comme lui. Or, pourtant, on n'est pas même chose. Wallah, une personne qui veut réussir sa vie, une personne qui ne veut pas avoir le comportement d'un hypocrite dans son cœur, la personne doit s'éloigner de ça. La personne ne doit pas chercher à ressembler à quelqu'un. Tu ne dois pas chercher à ressembler à quelqu'un. La seule chose que le prophète Mohammed a dit que nous pouvons faire pour ressembler à quelqu'un, c'est par sa foi. Une personne qui adore beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, je veux ressembler à la personne. Une femme qui porte des voiles, je veux être comme elle. C'est ça. Mais dans la société, elle a l'argent, je veux forcément avoir de l'argent. Elle a une voiture, je veux forcément avoir la voiture. Donc tu vas commencer à la diffamer. Tu vas commencer à parler mal d'elle. Et là, ça va devenir autre chose. Ça va devenir grave dans la société parce que vous n'allez pas encore vous entendre, toi et puis elle. Toi, ton but, c'est de gâcher elle sa vie. Et d'être comme lui. Donc, il faut essayer vraiment d'arrêter cela. Donc, notre dernière question à notre maman Adja, Inch'Allah. Donc, ça va être tout simplement dans le but aussi de notre sujet aujourd'hui, donc, qui est, comment dirais-je, l'hypocrisie aussi, Inch'Allah. Donc, c'est tout simplement, on va donner ici 10 minutes à notre main, 5 minutes, on va dire. Voilà, donc Inch'Allah, 5 minutes. 10 minutes, c'est trop parce que je vois elle en train de rire là-bas. Elle va dire que 10 minutes, c'est trop, hein, Oustaz. N'est-ce pas? Donc, on va diminuer un peu, Inch'Allah. Donc, on va tout simplement prendre 5 minutes.
Donc, on va vous donner 5 minutes, Inch'Allah. Pourquoi je donne ces 5 minutes? Pourquoi je vous donne ces 5 minutes pour bien parler, Inch'Allah? C'est tout simplement pour essayer de voir au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe aussi. Donc, il y a tellement de choses aussi qui se passent aussi au niveau de l'Europe. Voilà, concernant la diffamation, concernant les choses comme ça, de l'aide entre nous et tout. Donc, je veux tout simplement que nous ayons l'amour entre nous. Il faut créer vraiment de l'amour entre nous. Et pour créer de l'amour, il faut de l'entente. Il faut vraiment ça, que nous nous attendons. Donc, Inch'Allah, elle va tout simplement donner donc un conseil à toutes les personnes qui se trouvent en Europe actuellement. Donc, comment nous devons être ensemble? Nous sommes des sœurs et frères musulmans. Donc, certains comportements, nous devons arrêter entre nous pour pouvoir être vraiment des bons musulmans, Inch'Allah. Donc, notre mère Adja, vous avez la parole, Inch'Allah. Ok, ça me fait plaisir. Mais également, pays Bénin, Kenya. Voilà. Moi, là où moi je suis en Suède, Hamdoulilah, nous, on n'a pas ce genre de comportement. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais moi, je n'ai pas encore entendu. Nous, entre nous, les femmes, on s'entend bien, tout se passe bien. Les gens n'ont pas le temps de dire quoi, que depuis que je suis là, Hamdoulilah, je remercie le bon Dieu, qu'Allah nous éloigne de ça. Moi, quand même, depuis que je suis venue ici, ma autorité sur le colon. Peut-être comme les gens ne sont pas nombreux là où moi je suis, peut-être je peux dire ça, nous, à Malmé, les gens ne sont pas nombreux ici. Mais je sais que ça se passe en Europe. Je sais que dans les autres pays, ça se passe beaucoup. Mais moi, je remercie Dieu. Tu peux parler quelque chose que Ibrahim a victime, mais je ne suis pas victime de cela d'abord. Quand me loin de tout ça. Mais j'ai des amis qui vivent dans les autres pays. Elles sont victimes. La méchanceté. Tu viens, on t'héberge. Alors que leur premier ennemi, c'est toi. Elle t'a aidé. Elle t'a hébergé. J'ai beaucoup de copines qui sont victimes de ça. Je peux témoigner de cela. Mais moi, dans notre pays, moi, je peux dire Alhamdoulilah. Moi, je n'ai pas eu ce problème d'abord. Je Charles. ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Charles. Depuis que moi, cela, je n'ai pas vécu. Et je suis avec des personnes qui sont gentilles. On ne se voit pas tout le monde parce que selon les programmes, tout le monde travaille, on n'a pas ce temps. Mais quand on se voit, il y a l'amour. Tu sens qu'il y a l'amour. Alhamdoulilah. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais moi, je dis là où moi je suis. Peut-être comme je ne suis pas dans le groupe, peut-être que ça peut Exactement, être oui. ça aussi. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu Ah, ça. c'est vrai, vraiment. Allah m'éloigne de ça encore, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Je pense que les conseils sont vraiment passés. Qu'Allah facilite, Inch'Allah, la tâche. Donc, Alhamdoulilah, mes derniers conseils à toutes les personnes qui nous regardent actuellement et à toutes les personnes qui sont en ligne avec nous actuellement. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que nous, ensemble, nous prenons une décision. Et cette décision, c'est quoi? Nous nous disons aujourd'hui que nous n'allons jamais être parmi des hypocrites. Nous nous disons, nous prenons cette décision aujourd'hui. Wallahi, mes amis, l'hypocrisie, ça gâte la vie d'un être humain. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans sa parole que l'hypocrite est, ça veut dire quand on prend Jahannam. Si je prends par exemple, voilà, je vais prendre tout simplement le stylo là, nous voyons ça ensemble, n'est-ce pas? Si le début de Jahannam, c'est ici, le bout du stylo, l'hypocrite, un hypocrite, c'est ici sa place. Ça veut dire que c'est Jahannam. On prend exemple comme si c'est Jahannam qui est là. Ceux qui vont rentrer en enfer, eux, ils seront ici. Mais une personne qui avait l'hypocrisie dans son cœur, une personne qui était hypocrite, la personne serait tout simplement ici en bas. Ça veut dire en bas de l'enfer. Subhanallah. En bas de l'enfer. On ne peut pas connaître vraiment les dangers de l'hypocrisie sans connaître ce que le prophète Mohammed a dit sur les hypocrites. La vie de beaucoup de personnes vraiment sont gâchées aujourd'hui à cause des hypocrites. La vie de certaines personnes aujourd'hui sont bafouées à cause des hypocrites. Et toi, tu penses que Allah peut te pardonner pour ça? Tu penses que Allah va te laisser pour ça? Non.
Un hypocrite ne doit jamais même penser que Allah peut me pardonner. Parce que Allah même a dit au prophète Mohammed de ne jamais prier sur le corps des hypocrites. Allah même a dit ça au prophète Mohammed, de ne jamais prier sur le corps des hypocrites. Vous imaginez la prière que nous faisons sur les morts. Allah a ordonné au prophète, ne prie jamais sur le corps d'un hypocrite. Allahu Akbar. Si nous connaissons un hypocrite dans la société, on ne doit même pas prier sur son corps. L'hypocrite, automatiquement, tu deviens jaloux. Comme Adia Fanta a mentionné dans sa parole. Tu perds ton temps à contrôler quelqu'un, or pourtant tu pouvais prendre ce temps-là pour t'occuper de toi-même. Ce temps que tu perds pour écouter quelqu'un, pour prendre la vie de quelqu'un en main, pour parler de quelqu'un, de bouche à l'oreille, de porte à porte, tu pouvais prendre ce temps-là pour t'occuper de toi-même. Mais tu allais avancer dans la vie. Regarde un peu la personne qui suerait les chaussures devant ta porte. Parce que toi, tu es en train de chercher la vie des autres. Lui, il a réussi, mais toi, tu n'as pas encore réussi. Tu es toujours au point de départ. Parce que tu es dans la vie des autres. C'est la vie des autres qui t'intéresse. Pourquoi j'ai parlé aujourd'hui de l'hypocrisie? Parce que c'est la maladie actuellement dans notre société. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Quelqu'un ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il ne sait même pas qui tu es, mais c'est la personne qui va dire des choses sur toi. Allahu Akbar. Ou bien quelqu'un vient lui dire quelque chose sur toi, il te déteste avec ça. Ça veut dire qu'il commence à te détester avec ça. Subhanallah. Subhanallah. Il y a c'est pourquoi un être humain, il faut t'éloigner de ces choses-là. Il faut t'éloigner de ces comportements. Sinon, wallahi, ça gâche ta vie. Tu gâches toi-même ta vie et tu gâches automatiquement tes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu gâches déjà. Adia Fanta nous a mentionné ici. Elle dit, une personne, toi, tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, donne-moi ceci. Allah, donne-moi cela. Allah, accorde-moi les papiers. Allah, accorde-moi cela. Mais entre-temps, toi, tu es en train de prier Dieu pour que ton ami tombe. Toi, tu es en train de prier Dieu pour que ton ami n'ait pas les papiers. Mais si ton ami veut avoir papier, lui, il prie Dieu. Toi aussi, tu pries Dieu. Mais et si tu prenais le temps que tu prends pour déstabiliser ton ami en disant à Dieu de ne pas accorder les papiers à ton ami, si toi-même tu prenais ce temps-là pour prier Dieu pour toi, tu allais avoir tes documents, tu allais avoir tes papiers. Donc il faut vraiment s'éloigner de l'hypocrisie, il faut vraiment s'éloigner de la jalousie, il faut vraiment s'éloigner de la diffamation. Quelqu'un te fait quelque chose, tu n'as pas aimé, ne diffame pas la personne. Ne parle pas à tout le monde. Laisse Allah faire ton palabre. C'est Allah seul qui peut faire ton palabre. C'est Allah seul qui peut apaiser ton cœur. Mais si toi-même tu fais ton palabre, en laissant Allah subhanahu wa ta'ala, déjà tu as montré à Dieu qu'il ne peut rien faire pour toi. Tu as montré à Dieu qu'il n'est pas là pour toi. Tu as montré à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Wallahi, et un conseil pour ceux qui sont victimes. Un conseil pour ceux qui sont victimes de l'hypocrisie. Pour ceux qui sont victimes de la diffamation, pour ceux qui sont victimes de la jalousie, wallahi, ne craignez pas. Ne craignez pas. J'ai une fois dit ici dans ma parole, je ne sais pas si Adia Fanta se rappelle, j'ai dit ici dans ma parole, j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand une personne parle de toi, ça veut dire, toi, tu gagnes des mérites, au fait. Chaque mot que la personne va prononcer, Chaque phrase que la personne va prononcer et chaque acte que la personne va poser, toi, tu gagnes des mérites pour ça. Tu ne dois même pas te fâcher. Tu dois être content de ça. Nos sages, nos parents disent souvent que, en langue bamara, ko alakana andjugu danya alakana andjugu seana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui n'a pas d'ennemis, une personne qui n'a pas de personnes qui parlent sur toi, mais toi, tu n'es pas une personne. On a écouté ici les prêches de Oustaz Abdoulaye Keïta, du Mali. Il a mentionné ici, il dit, une personne qui n'a pas d'ennemi, une personne qu'on ne parle pas de toi, mais c'est que toi, tu n'es rien. Si on ne parle pas de toi, tu n'es rien.
Il faut qu'on parle de toi pour que tu sois quelqu'un. Il faut qu'on dise ton nom. Il faut qu'on dise que tu es comme ça pour que toi-même, tu sois quelqu'un. C'est ça qui te rend une personne. C'est ça qui te rend une personne noble dans la société. Parce qu'ils vont prendre le temps là pour parler de toi et directement, toi, tu as les mérites. Allah te donne des mérites. Allah te donne, donc chaque jour, toi, tu gagnes des mérites quand une personne parle de toi. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de bon pour nous? Donc, nous pensons souvent que ce que les gens font, c'est mauvais. Nous pensons souvent que ce que les gens disent sur nous, c'est mauvais. On est fâché, c'est bien. On est des êtres humains. Mais on doit savoir automatiquement que nous gagnons des mérites aussi pour, dans ça. C'est le jour de la résurrection, quand Allah va faire sortir ton cahier, tu vas voir que cette personne parlait de moi, mais je gagnais en même temps des mérites sur ça. Qu'Allah nous accorde ces mérites-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ces mérites-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ces mérites-là, Inch'Allah. Donc, nous allons tout simplement donner la dernière parole à notre mère, Hadja Fanta, avant de faire la bénédiction finale, Inch'Allah. Donc, elle va saluer tout le monde. Et donc, le dernier conseil avant que nous allons faire la bénédiction finale, Inch'Allah. Ma dernière parole que j'ai à dire, mes soeurs et frères, grandissons dans la tête, évoluons. Il ne faut pas qu'on se mette à leur niveau. Grandissons dans la tête, évoluons. Dans la vie, il faut avoir un caractère. Il faut être correct, il faut être sincère. Tout ce que tu dis là, il faut que ce soit sincère. Avec ça, les gens vont te respecter. Qu'on sache en toi que tout ce que tu dis la vérité. Qu'on te respecte avec le caractère que tu as. N'aie pas peur de quelqu'un. Il faut avoir peur que de ton créateur. Un être humain ne peut rien te donner, ce qui n'est pas destiné à toi. Crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Attends ton jour. Le soleil là, ne brille pas pour une seule personne. Ça brille pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est moi. Ainsi va la vie. Et puis, porte-toi confiance. Il faut te croire. Si ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, demain, tu peux en avoir. La patience, là, vis dans la patience, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension, quand on guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Quand on pardonne tous nos défunts. Bon, tu vas rester en ligne avec nous. On va faire le doigt final, Inch'Allah, pour tout le monde. On a des soucis aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont perdu des gens. Nous traversons aussi un moment très difficile dans notre société actuellement, donc qui est le coronavirus. Donc, tout le monde sait cela. Donc, nous allons prier. On a perdu beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui sont déjà partis. Il y a d'autres qui sont déjà avec nous. Il y a d'autres qui sont couchés à l'hôpital. Nous allons ensemble prier pour ces personnes-là, Inch'Allah. Mais avant cela, comme j'ai mentionné, nous sommes dans la journée, dans la nuit, dans le vendredi actuellement. On n'a pas encore terminé. Donc, n'oubliez pas de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Donc, le prophète Mohammed, il voit automatiquement nos salat quand on fait la salat sur le prophète. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات غافر السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وعيدت سلطانا وقلت يا أعز من قائل سبحانا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم اللهم اجعلنا ممن يهلل حلاله ويحرم حرامه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير العلم وخير الثواب وخير الحياة وخير الموات يا الله يا الله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا من مقامنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم Que Dieu pardonne tous nos défunts, Inch'Allah. Ceux qui ont trouvé la mort à cause du COVID-19, que Allah pardonne, Inch'Allah, à toutes ces personnes-là. Je m'arrête ici pour prier pour eux parce que ce doigt-là, c'est pour les défunts. Ce doigt-là, ça s'adresse automatiquement aux défunts. Donc, il y a peu de personnes parmi nous qui peuvent peut-être lever le doigt qu'il n'a pas perdu une personne à cause de cette maladie. Même si ce n'est pas d'une famille proche, mais c'est quand même quelqu'un peut-être dans ta famille, ton ami, ton frère. Nous avons peut-être perdu beaucoup de personnes à cause de cette maladie. Même si ce n'est pas aussi à cause de la COVID-19, mais nous avons aussi perdu quelqu'un peut-être ces temps-ci. Donc ici, nous allons prier spécialement pour eux. Ensemble, nous allons faire « Qul huwallahu ahd » trois fois pour eux. Chacun fait de son côté, Inch'Allah. Parce que le prophète Mohammed nous dit de beaucoup prier pour nos défunts. De beaucoup lire le Coran pour nos défunts. Donc tu prends l'intention pour ton défunt et tu fais qul huwallahu ahd trois fois, tu mets bismillah rahman rahim avant tout. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahd illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ça, c'est pour notre défunt. Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup de personnes qui cherchent le boulot, que ce soit en Europe, partout dans le monde entier. Il y a d'autres aussi qui cherchent à avoir simplement un enfant dans les couples. Il y a d'autres qui cherchent l'amour. Il y a tellement de soucis que nous avons aujourd'hui, des permis et autres. Donc, le dernier doigt va s'adresser simplement à ces personnes-là, qu'Allah facilite, Inch'Allah, qu'Allah exauce nos vœux, Inch'Allah. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين قيامنا قيام الخائفين وقراءتنا قراءة الذاكرين وركوعنا ركوع المتوكلين وسجودنا سجود المتوبعين وتشهدنا على التشهد الصالحين وسلامنا سلام المؤمنين ونيتنا نية المخلصين وقولنا قول الصالحين وفعلنا فعل الفاعلين وحياتنا حياة الساعدين وموتنا موتة الشاهدين ولا تهلكنا مع المهالكين وتنجينا مع المناجين وأكرمنا مع المكرمين اللهم اغفر ذنوبي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos voeux, Inch'Allah. D'abord, je remercie, Inch'Allah, ma charmante épouse, Fanta de Sheikh Ali. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne longue vie, Inch'Allah. Mm-hmm. Ma petite princesse, qu'Allah te donne longue vie. Que tu sois parmi les femmes, Inch'Allah, du paradis, Inch'Allah. Mm-hmm. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'avoir des enfants pieux, Inch'Allah. Qu'Allah permet à toutes les femmes mariées d'avoir vraiment l'amour de leur mari. Et qu'Allah les permet aussi, Inch'Allah, d'avoir Al-Jannah, Al-Firdaus. Que l'harmonie règne dans les couples. Que l'harmonie règne dans les vies, Inch'Allah. N'écoutez pas, n'écoutez personne dans vos couples quand vous vivez ensemble. N'écoutez personne dans vos couples pour diriger vos foyers. Non. Écoutez vos cœurs. Au moment où vous étiez en train de vous marier, il n'y a personne qui est venu dire non, marie telle femme. C'était avec votre conviction. C'était avec le cœur que vous avez choisi de vous aimer. Et vous vous êtes mariés ensemble. Donc, imaginez que vous écoutez la parole des gens dans votre foyer. Imaginez que vous écoutez la parole de vos amis dans votre foyer. Votre foyer ne va pas durer. Tellement de couples aujourd'hui sont divisés aujourd'hui, se sont laissés aujourd'hui juste parce qu'une personne a pris le téléphone pour appeler le mari ou pour appeler la femme. Et qu'est-ce que ça a engendré? Les enfants sont restés, comment dirais-je, sans père ni mère. Ils vont là-bas, ils vont ici. Mais vous pouvez préserver cela. Vous pouvez préserver votre amour. Vous pouvez préserver votre vie. Ne jamais écouter une personne pour vivre l'amour que vous êtes en train de vivre. Un homme valorise ta femme. Valorise ta femme. Mets ta femme devant tout le monde. Ta femme est le centre de ta vie. Tu dois la valoriser devant tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'asseyait avec ses compagnons, chaque mot qui sortait, il disait toujours, j'aime trop Aïcha, j'aime trop Khadija. Quand il était avec Khadija, il disait toujours, Wallahi, Khadija est le centre de ma vie. J'aime trop Khadija. J'aime trop Khadija. La même chose aussi, il le faisait pour Aïcha.
Nous devons faire la même chose. C'est un sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme aussi, la même chose aussi. Tu dois le faire aussi pour ton mari, pour que l'harmonie que nous recherchons dans les couples puisse vivre dans les couples aujourd'hui. Donc n'écoutez personne. N'écoute pas les hypocrites. N'écoute pas les jaloux. N'écoute pas les sorciers. Il faut tout simplement écouter ton cœur. Écoute simplement ton cœur. Qu'Allah permet à toutes les couples d'avoir vraiment de l'harmonie, Inch'Allah. Nous allons faire la salat 10 fois et nous allons terminer la vidéo, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. 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 Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine inshallah. Salam alaikum.